grand livre de l'ethnologie contemporaine, coucher du soleil. Voilà des considérations bien longues et bien inutiles pour amener à cette matinée de février 1935 où j'arrivais à Marseille, prêt à embarquer à destination de Santos. Par la suite j'ai connu d'autres départs et tous se confondent dans mon souvenir où quelques images seulement sont préservées. D'abord cette gaieté particulière de l'hiver dans le midi de la France, sous un ciel bleu très clair, très immatériel encore de coutume. Un air mordant offrirait le plaisir à peine supportable que donne à la soifée une eau gazeuse et bien trop glacée. Par contraste de l'ouvre lent, traîné dans les couloirs du paquebot immobile et surchauffé, mélange de senteurs marines, d'émanations provenant des cuisines et de récentes peintures à l'huile. Enfin je me rappelle la satisfaction et la quiétude, je dirais presque la placidité. Bonheur que procure au milieu de la nuit la perception assourdie de sortes d'épilations, des machines du frémissement de l'eau par la cloque, comme si le mouvement faisait accéder à une sorte de stabilité d'une essence plus parfaite que l'immobilité, laquelle par contre, réveillant brusquement, le donnera l'occasion d'une escale nocturne, suscite un sentiment d'insécurité et de malaise. Impatience, le cours devenu naturel des choses, était soudain compromis. Nos bateaux faisaient beaucoup d'escales, en vérité, la première semaine de voyage se passait presque complètement à terre, tandis que se chargeait, se déchargeait le frein. On naviguait la nuit